Réveil avec les stars tous les matins, Skyrock permet aux familles de France de se réveiller avec des superstars. Et aujourd'hui, c'est Huguette et Raymond qu'on va retrouver en direct avec nous. Huguette et Raymond de Scène de Ménage. Vous en avez de la chance, vous les retrouvez en direct, c'est parti. Hop là, Scène de Ménage. Générique de Scène de Ménage. Oui, exactement, vous regardez de temps à autre. Moi qui ai une période, mais oui. Alors, est-ce que vous aimez Radio Moustache? Radio Moustache. Bonjour Raymond. Bonjour. Bonjour, comment vas-tu? Je suis bonjour. Bonjour, bonjour Raymond, bonjour, bonjour. Ça va ce matin? Oui. Eh bien, écoute, c'est bien, on va passer un petit coup de fil ce matin, direction les familles de France. Quelle est la famille que nous allons appeler dans Huguette et Raymond, l'Huguette et Raymond show de ce matin? Raymond. C'est toi Raymond? Oui, c'est toi Raymond, c'est bien. Et Huguette, c'est ta chérie, hein, Raymond. Eh bien, on va appeler Pierre. Pierre a été mis en contact avec Huguette et Raymond. Et il va passer sur Radio Moustache. Il passe sur Radio Moustache. Wow. Et en plus, attention, trop de chance. Il passe aussi sur Skyrock. C'est parti. La classe. Vas-y Raymond, fais tout péter. Chez Pierre, Raymond. Parce que Pierre va se rendre compte de quelque chose, on va voir ça. Ah. Allô? Allô? T'as pas vu mes lunettes? Attends, déjà, qui c'est? Raymond. Bah oui, Raymond. C'est Raymond. Où est le problème? Oh, Nagui, quand même. Oui. En douille. Ah, t'es vraiment dernier des couillons, toi. Oh, ça va. Ah, bah, ça va pas mal. Ça m'a fait peur. C'est dommage. Oh, bah, déjà, à cette heure-là, enfin, on n'a plus grand-chose. On t'es pénible. Merde. D'habitude, on est couché. Bah oui. D'habitude, on est couché. Tu es intelligente, tu sens bon. Mmh. Ah oui, c'est tout le matin quand je me lève. Oh. Mais oui, mais oui. Alors, ça les potes de la nuit. Oh, alors, qu'est-ce que tu deviens? Moi, j'étais marchand de lacets. Voilà. C'est beau métier. Maintenant, un couple sur cinq filme sa nuit de noces. Oh, moi, je t'emmerde, hein. Je suis gendarme, merde. Oh, putain, c'est pas possible. Encore un qui a mal tourné. Moi, j'étais marchand de lacets. Oh, mais je savais pas qu'il y avait des cons comme ça, super, encore. Ça existe encore. Sincèrement, ça me contrarie. Ah ben moi je suis bien content, c'était mon intention de contrarier. J'ai tout de suite su que ça allait pas être intéressant. Oui, mais n'importe comment, j'avais pas trouvé, il y a longtemps que j'ai pas m'intéressé à un con pareil, il y a très longtemps. Non, c'est quand tu as ouvert la bouche que je me suis dit que ça allait pas être intéressant. Eh ben moi je suis vraiment content d'avoir entendu ça, ça régale. Comment ça me briser les joyeuses, hein? Oui, mais je m'en fous. C'est dommage. C'est dommage. Ah oui, c'est dommage. C'est dommage. C'est fini. Eh oui, c'est dommage. Ça termine un peu en queue de poisson. Ah bah oui, oui, bah, c'était intéressant. C'était très, oui, très intéressant. Passionnant. Ah, passionnant. Bonjour. Il avait un très bel accent, notre ami. Comment il s'appelle? Pierre. Pierre, ça faisait longtemps que j'avais pas parlé à un coup pareil. Ça faisait longtemps que j'avais pas entendu une expression comme ça, moi, dites donc, ce matin. Ah ouais, et puis le truc, ouais, ça sent les pets de la nuit. Oui, eh ben. Écoute, tout le matin, ça sent les pets de la nuit, mon Dieu. C'était dans la maison de Pierre qu'on était ce matin avec Raymond. Ouais, bah on sait ce que ça sent chez Pierre. Eh bien, on y retournera. Mais que ça sent le pain, mon Dieu. On sera prévenu au moins avant. Attends, j'ai le pain de la nuit. Il est 6h19. Bon, après le pain de la nuit, après Radio Moustache, retour à Skyrock ce matin. Oui. Allez. 67, 19 ans qui nous fait la dernière fois. C'est parce que ma copine voulait un enfant et pas moi. Il n'y a qu'une solution, passer par la porte de derrière. Mais je n'en dirai pas plus. Oh oui, non. Voilà. Ah si, ça ne marche pas. Je t'assure, Cariole, l'enfant, tu l'auras pas. Je te dis, donne un petit conseil entre nous, Jessie. Ah mais c'est pour ça que ça marche pas, alors. Eh ben voilà, exactement.